quartier Rue Ravin, dans le 6e arrondissement parisien. Il se situe dans un quartier vivant entre le jardin du Luxembourg et la tour Montparnasse. Dans un style art déco, cet immeuble a pour principe d'aérer la rue Vavin et d'offrir des terrasses lumineuses à ses 12 logements principaux. L'entrée principale du bâtiment se fait au centre. Elle offre un espace lumineux dû à ses portes vitrées. Au rez-de-chaussée, on retrouve de grands magasins donnant sur la rue passante. Les ouvertures vitrées font entrer la lumière. L'accès au logement se fait par des escaliers, mais aussi par un ascenseur. L'intérieur des logements est spacieux et lumineux, offrant des espaces de service donnant sur la cour intérieure et des espaces de vie donnant sur la rue. Les terrasses offrent une vue imprenable sur la ville, apercevant même la tour Eiffel et permettant un bol d'air au logement. En plus d'être éclairé par la rue, l'immeuble compte 5 puits de lumière récemment couverts de verrières. Il compte également 2 ateliers d'artistes qui se différencient par leur toiture. La structure du bâtiment se résume à un système de refends perpendiculaire à la rue et à des dalles béton. L'immeuble à gradins étant l'un des premiers à être construit en béton armé. À l'intérieur, on retrouve un vide inutilisé de près de 4 étages. L'intérêt de l'immeuble se trouve également dans ses jardinières, permettant de réduire le vis-à-vis entre logements et apportant de la verdure à la ville. Pour conclure, on peut très bien dire que cet immeuble monumental est apprécié des habitants de par la verdure qu'il offre, mais également la lumière.